Deux ex-amoureux qui sont restés en bons termes. Par le passé, les humoristes Mister Poulpe et Bérangère Criff ont connu une idylle ensemble. Elle aurait dû se concrétiser par un mariage, la demande avait été faite, les préparatifs avaient débuté. Mais, 5 mois avant l'événement, la séparation a été actée. Le mariage a donc été annulé. Tous deux étaient invités sur le plateau de C'est à vous, ce vendredi 10 février. Ils ont raconté, en toute franchise, comment ils sont parvenus à outrepasser cette rupture douloureuse, pour nouer désormais une très belle histoire d'amitié. Ce sont les mêmes étapes qu'un deuil. On passe par la colère, la tristesse, la frustration. Il a fallu 8 ans quand même, a expliqué dans un premier temps Mister Poulpe. La colère, un sentiment qui a également été très rapidement présent chez Bérangère Criff. Il y a eu une coupure. On ne pouvait plus se voir. C'était très compliqué. Il y avait toute la projection. Je pense que n'importe quelle rupture est une projection d'un film. Et, si est-il très dur d'accepter que le film ne se fait pas, a développé la comédienne et humoriste de 39 ans. De l'amitié désormais entre Mister Poulpe et Bérangère Criff finalement, un jour, Bérangère Criff en a eu marre de ruminer cette fin de couple. Je me suis vu chargé d'une colère. Je la matérialisais dans une valise, avec laquelle j'étais tout le temps. Dès que je voyais des gens, je ruminais ça, a-t-elle précisé sur le plateau de France 5. Elle a alors appelé son ex-amoureux, s'estimant prête à lui accorder son pardon. J'ai vraiment eu un poids qui cesse d'enlever, se souvient encore Mister Poulpe. Tous deux ont ensuite pris leur temps pour construire une forte relation amicale. Désormais, Mister Poulpe et Bérangère Criff ont décidé de tourner en dérision cette rupture douloureuse. Ainsi, ils racontent chacun depuis leurs scènes respectives, leur version de l'histoire. Du côté de Mister Poulpe, son mariage annulé est abordé dans son premier One Man Show au Nombril, actuellement au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 1er avril. De son côté, Bérangère Criff n'y passe pas à côté dans son spectacle Amour, en tournée dans toute la France en 2023. Crédit photo, capture d'écran France 5.